La mise à Scalaretina de Francesco Valls, c'est une messe. Qu'est-ce que ça veut dire Scalaretina? C'est la gamme de Guido d'Arezzo. Ça veut dire c'est Ut re mi fa sol la. Ça veut dire c'est 6 notes à l'époque. Plus tard, on a ajouté les 6. Mais c'est sur ces 6 notes que lui, il compose toute la messe. À l'époque, cette œuvre a provoqué vraiment une grande polémique. Il y a eu plus de 70 compositeurs de toute l'Europe qui ont écrit et qui ont signé contre un passage où on attaque une dissonance très très forte dans un Quitolis et aussi dans l'Agnus Dei. On attaque une dissonance sans préparation. Pour l'époque, on ne pouvait pas se permettre cela et à l'église. Monteverdi avait créé cela à l'opéra, au madrigal, mais c'est toujours de la musique profane. Ça veut dire que c'était quand même accepté pour une musique qui n'est pas à l'intérieur de l'église. Cette Missa Scalaretina contient cela à l'église. Et c'est pour cela qu'à l'époque a créé vraiment une grande révolution, une révolte des compositeurs comme je n'ai jamais vu dans l'histoire de la musique. Dans cette Missa Scalaretina, on est dans une écriture à trois chœurs, un chœur de soliste plus deux autres chœurs, et un orchestre très, très nourri avec des cordes et aussi des trompettes. Ça veut dire que vraiment on est dans une sorte de Te Deum sonore, vraiment à la gloire de l'Espagne.